Hello à vous, ici Fred Laolès. Et on se retrouve le vendredi pour du zombie le vendredi. C'est zombie le vendredi, c'est Dead Rising. Et on se retrouve pour Dead Rising pour la suite de notre histoire inédite. L'histoire Fallen Angel qui découpe du zombard. Ça commence bien. Hop. On va voir ce qu'elle fait avec cette arme-là. Hop. Je t'ai vu, toi, derrière. Alors, je pense que là, il spawn à l'infini, je sais pas. On va voir un petit peu, tiens. Avant de se replonger dans l'histoire. Parce que dans Dead Rising, j'ai toujours dit qu'il y avait... Il y avait plus de zombies que la ville ne pouvait en supporter. Hop là, dans une ville. Hop là, avec une capacité d'habitants. Hop là, de 500 personnes. T'as 1 million de zombies. Alors, ça tiens. Va voir Minute. Don't stress, mon ami. C'est vrai qu'on revient avec les la bouffe qu'on a de départ. Hop, ça, je vais prendre ça. Voilà. Et niveau bouffe, je crois que c'est tout ce que j'ai. On va garder ça. J'ai vu où t'étais, toi, là-bas. Oh. Hop. Tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Trouver le camion resto. Trouver le camion resto qui est là-bas. Ah oui, ouh, elle est chiante, la mission. Ah bon, voilà. Hop. On va y aller tranquillou, hein. Voilà. On prend le café qui est là. Ah, vous voulez en profiter, hein. Vous voulez pas que je boive mon café tranquille? Hop, alors j'espère que vous allez bien. Pour ma part, bah ça va nickel. Pour ma part, ça va nickel. Nous sommes le matin, et ouais, je tourne le matin. Oula, 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 oula. Alors attendez, je vais regarder un petit peu par où on doit aller. Ok, ça c'est la route qui se déchire, non? On va voir un petit peu. Je pense que je vais tourner de là plutôt. Parce qu'il me semble que ça, c'est la route où qu'on peut pas aller, non? Où il faut faire demi-tour à un moment donné. Je préfère pas la prendre à faire demi-tour. Je crois que c'est celle-là. Je m'en souviens jamais la route que c'est où il faut faire demi-tour, hein, donc... On va bien voir, écoutez... Ouais, vous avez remarqué, je conduis toujours aussi bien. C'est un bonheur. Écoutez. Dans Dead Rising, s'il fallait bien conduire,
ça se saurait. Alors, t'as trouvé quelque chose? Va voir Hamburger Fief d'homme. Oh ouais, lui il va être chiant lui par contre. Ouais, par contre là ça me fait remonter. Et moi je serais bien descendu. Je serais bien descendu. Voilà. On va prendre par en bas, c'est plus simple. Enfin, il me semble que ça va être plus simple par en bas. Hop. Ouais. Ça n'est pas grave. Heureusement que c'est pas permis de conduire simulator. Parce que là, j'aurais tout faux. Il me semble que c'est là qu'il faut que je sorte, non? Non, je peux continuer jusqu'à la fin d'ailleurs. Est-ce que ça passe par là ou est-ce que ça fait barrage? Parce qu'il faut que je passe par là. Wow! Je suis un peu perdu, s'il vous plaît. Il y a eu une grosse explosion. Et je suis tombé off my moto. Hop là. ZDC à proximité brûlé là. Ouais, ouais, mais non, on va pas. Hop là, voilà, la moto a explosé. C'est parfait. De toute façon, on n'en a plus besoin. Il faut qu'on ramène le... camion. Ramène un camion resto, cowboy. Ne touche pas à la route en chemin, ok? Dégagez. Donc je vais logiquement repartir par où je suis arrivé. Par contre, sois prudente avec le camion quand tu les auras si tu veux pas tout faire sauter. C'est comme prendre un bonbon à un bébé. Ah oui, voilà pourquoi elle était chiante, cette... cette mission, parce qu'il va falloir que je fasse des trucs en chemin. Voilà pourquoi je repartais. Et donc le véhicule. Merde. Je me trompais de touche, c'est pour ça que j'ai dit merde. Pas la folle main que ça. Le véhicule n'explose pas que si je m'y trouve dedans. Et il va falloir que je fasse des trucs en chemin. Et donc que je descende du véhicule et donc s'il est trop touché, il risque d'exploser. Voilà. Donc on va tenter d'y faire tranquillou, tranquillou, pépère. Je crois que là c'est le... c'est par là, il me semble. Ouais. Donc on va s'arrêter là. Si je me gourde touche, ça va pas le faire, n'est-ce pas? Hop. Mine de rien, on s'approche de la Japan Expo.
Je m'arrangerai pour vous mettre du contenu, vous inquiétez pas. Voilà. Forcément, il faut qu'il y ait les gros ici. Ah. Hop là. J'en ai pris une. Passe à la suivante. Disons que c'est très logique, mon ami. Merde. Putain, j'aurais beaucoup dit merde là. C'est très logique, mon ami, avec un camion que tu sais fragile, de me donner des missions secondaires à faire, n'est-ce pas? Tiens, prends la hache. Voilà, on va rejoindre le camion. Donc. Hop. Sachant que ça ne passe pas et qu'il faut donc que je descende. Donc que je passe par là. Conduis prudemment. J'essaye bien sûr de ne pas faire le con. Hein. Donc on y va, tranquillou, pépère. Écoutez, on va se faire cette mission aux petits oignons. Direct, il y en a une sur Los Perdidos Bridge, petite. En attendant, je réfléchis. Boum! Non mais c'est logique, mon ami, que tu me donnes des missions à faire alors que j'ai un camion de bouffe à te ramener et qu'il faut que je fasse attention à sa vie au camion. Et voilà. Et voilà la mission. Mes amis. La mission, elle est finie. Alors je vais voir si je peux récupérer en vitesse une caisse d'armes. Non, mais ça va être tant d'armes. Mais je crois que la mission serait initialisée à zéro quand, voilà. Fin de partie. On a perdu le camion. Non, mais c'est vachement logique, hein. C'est vachement logique. Bon, on aura eu notre premier fail, mine de rien. On aura eu notre premier fail. Disons que le mec, il reste planqué dans la base. Et puis il dit, va chercher le camion. Va faire ci, va faire ça. Oh mon dieu. Allez, c'est parti. Ah si, ouais, quand on a la caisse, d'accord. Donc tu tombes où? Tu tombes sur le camion ou... Hop. T'es sur le bus. Ouais, le camion. Where is? Ah, il est là-bas. Bien. Il se sauvegarde. À chaque caisse. Ça, c'est cool, on n'a pas à refaire. Donc, on va tenter d'y aller prudemment. Hop, je pense que c'est la seule mission qu'on fera, mes amis. Hein. C'est un peu tendard, je vous l'avoue. Hop.
Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est normal. J'ai des voisins qui montent les escaliers avec des semelles de plomb. N'est-ce pas? Bon, écoutez, les voisins vivent leur vie, hein, c'est le matin. C'est normal. C'est de diriger ce camion. Comme vous le savez, hein, le Laoless n'a pas le GPS dans la poche. On va passer direct. Mais non! Oh putain. Alors, allons-y. Là, on va passer la voile là. En attendant, je réfléchis à un piège pour ces enfoirés. Elle a l'air d'être là, l'autre. Hein? Qu'en pensez-vous? Ouais, ouais. Réfléchis pendant que la femme fait le boulot. Oh merde, j'ai perdu mon arme. Hop. Hop là. Voilà. Tup 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 tup. En tout cas, elles sont bien sympathiques, ces petites histoires inédites, hein. Je trouve, pour ma part. Enfin, moi, j'avais adoré les faire. J'espère que vous aimez les regarder. Que vous aimez peut-être les faire si vous les faites aussi. C'est tendu, là, pour redescendre. Hop. Angel, t'es plus très loin. Récupère ces armes. Loin, mais où? Faut qu'on passe de l'autre côté. Ah, faut qu'on passe de l'autre côté. T'es sérieux là? Angel, tu ferais bien de nous rapporter ces armes. T'es pas de... Oh là là! Je sais ce que j'ai à faire, mister. Minute. Je passe du dessus. Peut-être dans le... Ah, mais faites-moi la paix, s'il vous plaît. Ah, il s'est au-dessus, mais là-bas. Attends, on va y aller. Oh, putain. Ah. Hop. Je les ai toutes. Je cherche la fougère. Parfait. Ensuite, donc il faut qu'on rentre. On doit pas être très loin. Ok. Waouh, 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 non, 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 non. On va être prudent et retourner par là pendant qu'on nous tire dessus. Et n'oublie pas qu'on a besoin de ce camion en un seul morceau, ok? Tu connais l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Monsieur l'esclavagiste. Enfin, je dis ça, je dis rien.
Hop, on va le ramener en un seul morceau, ton camion, t'inquiète pas. On n'est pas très loin. Mais bougez de là ! On a a priori pas de raison de se faire renverser. Voilà. Bien, laisse les autres décharger. Pendant ce temps, on va aller faire la fête avec les forces spéciales, toi et moi. Faut apporter à boire ? Rejoins-moi devant le tribunal de centrale. Apporte une arme. Ok, j'arrive, mais avant... Ouais, je vais apporter des armes. Hein, avant que je vais me refaire en armes. Hop, en même temps, je regarde vite fait sur le logiciel à combien j'en suis. D'enregistrement. Ah, on peut pas se verrouiller. C'est logique, c'est logique. Notre plan qui est verrouillé, c'est logique. On peut pas. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, radio portable et chaise. J'ai de la place ou pas? Oui, j'ai de la place. Car logiquement, avec une radio portable et avec une chaise, n'est-ce pas, en bois, faire un deuxième marteau électrique. Donc, il va falloir rejoindre Mister. Donc nous allons le rejoindre. Tranquillement, tranquillement. Là, nous avons un katana. Hein. Ouais. Ah, rien de bien folichon. Alors, on n'est pas très loin. Mais si on pouvait avoir... hop là. Oui, je te pousse. Un véhicule, ça serait top. Hop, par contre, on a le camion. DDT! Jake the Snake Robert style! Pour ceux qui savent qui est... Monsieur Jake the Snake Roberts, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut passer par là? C'est un truc que je me suis toujours demandé, moi. Je suis jamais passé par là, hein. J'ai toujours pris les véhicules et... Ah si, si, j'avais juste fait le boss ici, non. Je sais qu'il y a un boss par là. On doit pouvoir, normalement. Ça doit être un peu plus safe. En tout cas, ouais, on rejoint la deuxième partie. Ouais. C'est pas gagné, hein. Ah, t'as pas le GPS dans l'œil, là, on laisse. Bah non, désolé, hein. Oh, les pompes, là. Adieu. Y a pas qu'une caserne là. Heureusement lui, il m'a chopé avant que, après que j'ai eu le pompier. Wow. Ne marche pas dans le feu, s'il te plaît. Où c'est qu'on doit aller? Ah, t'es sérieux? On doit aller de l'autre côté. Ici, y a rien à prendre. Et une affiche du ZDC, ouais. Ça attendra.
Bon, ça serait bien qu'on ait un véhicule, du coup. Ah oh bah, là, il y a l'ambulance. Écoutez, excusez-moi, messieurs, dames. Je ne voudrais pas tirer sur l'ambulance. Bah, là, je vais tomber. J'avais clairement pas assez d'élan. Ah si, oh, cool. C'est pas assez, écoutez. Hop là, est-ce qu'on peut passer par là? En d'autres moments, je ferai le tour en voiture, mais là, nous n'avons clairement pas le temps. Hop. Nous allons aller au point de rendez-vous. Hop là, et je pense que je regarderai le timing. Bah oui, parce que là j'ai du timing. Même si je le respecte pas toujours, je vous l'avoue. Nous allons aller au point de rendez-vous, je regarderai le timing. Hop là, hop. Et puis bah, nous verrons. Hein. Parce que là, je me souviens que les missions sont pas toujours très très simples. Nous sommes à 26. On n'est pas loin, c'est pour ça que je dis. Hein. On est là. Te montrer. Voilà le plan. Je vais allumer une fusée. Ça fera sortir les forces spéciales du poulailler. Toi, tu posteras là-haut à Speed Demons et tu les allumeras quand ils viendront vers moi. Ok. Tac, atteignez la position en hauteur. Qui n'est pas très loin. Et là, on va avoir une arme que j'adore. D'ailleurs, avec le défi. Hein. Les vitres sont éclatées ou pas? Non. Ah! À éliminer les forces spéciales, je me suis cassé la gueule. Ça commence bien. Je crois qu'on va la fail cette première là. Est-ce que... Il y en a un qui est caché quelque part. Non, il est là. Me tiens prête. Putain, mais fait chier lui avec son lance-roquette. Putain. Toujours le même hein, qui fait chier. Hein. Faire là? Suivez Doug. Putain, on va le faire. Par là? Non. Ah.
Hop là. Salut, cow-boy. Putain de merde. Bon, toi et moi. Et voilà les nouveaux vêtements de Fallen Angel. Ensemble. Non. Tu vas me dire ce que vous foutez avec mes amis? Vous les emmenez où? Angel? Où? Des expériences. Central Storage. Sale celdito. Et voilà. Inspecter le labo qui se trouvera là-bas. N'est-ce pas? Mais ça, nous le ferons dans le prochain épisode. Hop là, voilà, pas encore mal feu aux zombards. Voilà. Car pour nous, c'est ici qu'on va se dire au revoir. Hein. Nous sommes à 31 minutes d'épisode, donc ça fait, c'est nickel. C'est le taf. On n'aura pas un épisode trop long. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous aurai pas trop discuté. J'en suis désolé. Je tourne au lever du réveil. Au lever du réveil, c'est très, 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 très français ce que je viens de dire. Je viens à peine de me lever. Je tourne. Et cet après-midi, je vais travailler. Waouh! En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà les nouvelles fringues de Miss Angel, j'adore son look, j'adore cette nana, voilà, je l'ai dit. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire bisous filles, amitié aux gars, et à très très bientôt. Bye bye.